Bonjour tout le monde, bonsoir, bienvenue sur cette chaîne. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, j'ai plein de trucs à dire aujourd'hui. Donc, on va faire vite et on va faire vite et court, on va faire normal. Hein. Bon, Ghana, Cameroun, Uruguay, Serbie éliminée. Gros match hier qui s'est passé. La Corée a battu le Portugal 2-1 dans les dernières minutes. Le Cameroun a battu le Brésil 1-0. Abusé, c'est des trucs de ouf, cette Coupe du Monde, c'est un truc de dingue, hein, franchement. Du coup, voilà, sur ça, le Brésil, bon, c'est l'équipe bis, hein, c'était pas... Mais bon, quand même. Après, le Cameroun est quand même éliminé. La Serbie était qualifiée à 2-1, mais bon, il fallait gagner le match. Du coup, ça s'est fini en 3-2. Après, enfin avant ça, on avait le Portugal contre la Corée. Le Portugal ouvre le score, mais joue très mal les coups, notamment avec CR7, joue très mal les coups, malheureusement. Pour le Portugal, malheureusement pour le Portugal, après moi je m'en fous. Mais bon. Et la Corée a su revenir, et franchement avec panache, hein, parce que c'était un gros match de la part de la Corée du Sud. Donc faut vraiment... Et puis les Portugais n'ont pas, c'est pas un match pourri quoi des Portugais. Non, ils ont vraiment joué. Faut pas dire que les Portugais n'ont pas joué du tout quoi. C'est pas vrai. Hein. Donc du coup voilà pour ce match-là. Et l'Uruguay en même temps gagne 2-0 contre le Ghana. Le Ghana rate un penalty par André Ayew. Mais c'est pas suffisant. Et c'est un but près. Ils étaient qualifiés l'Uruguay et puis ils sont éliminés. Donc voilà, fini pour la phase de poule. Maintenant, aujourd'hui, c'était Pays-Bas, États-Unis, Pays-Bas qualifié 3-1. Bon, perso, les Pays-Bas n'ont aucun jeu. Pour le moment, ils ont aucun jeu, ils ont pas su développer un jeu. C'était rencontre. C'était vieille, je crois, il y a 60% de possession de balle pour les États-Unis. C'est abusé, les États-Unis. Ils ont la première occasion et juste après, sur le contre, ils se prennent un but. Un but de Memphis Depay, de Blind et de Dumfries. Et je ne sais plus c'est qui réduit le score pour les États-Unis. Donc du coup, voilà, je voulais revenir à un truc là. Il y a un YouTuber qui s'appelle Zach Nani. Alors si vous voyez la vidéo, si j'ai envoyé la vidéo. Zach Nani, si tu as un problème de compréhension ou de... Enfin, c'est même pas une de compréhension en fait, c'est que tu m'as pas laissé finir sur le Maroc et sur les supporters marocains à Bruxelles. Donc oui, ils ont recommencé après, oui, ça s'est passé à Bruxelles, oui, à Rabat, il y a eu de la joie, il y avait que de la joie au Maroc, machin. Oui, il y a qu'en Europe que tu vois ça. Donc si t'as un problème d'insulter, j'ai les screens que t'as fait sur Internet, sur Twitter, il n'y a pas de souci. Mais si t'es le premier à pas ouvrir tes grandes oreilles pour t'écouter, refais un travail sur toi, vraiment, vraiment, et accepte la critique. Il n'y a aucun souci. Si tu as besoin, si t'as envie de parler ou je sais pas quoi, ou tu as des trucs à dire, il n'y a pas de souci pour débattre ou je sais pas quoi. Dans le respect, on peut faire ça, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, mais bon, bref, j'ai pas aimé ta façon de faire avec moi. Tu as été injurieux. En plus de ça, tu as bloqué pour pas que je te réponde. Bien sûr, tu as été débile de le faire. D'insulter en public sur Twitch, donc il n'y a pas de souci sur ça, Zach. Si tu as un souci, tu as mon Twitter, tu sais, vu que tu as supprimé tes tweets, hein, gentiment, mais je les ai screen, hein, t'inquiète pas, tu vas pas passer à la trappe, hein, mon gars. C'est pas parce que tu as des milliers d'abonnés que tu as le droit d'insulter les gens comme ça. Donc voilà, bon, bref, sur ce coup de gueule, je vous laisse. Ça me saoule parce que j'aime pas ça. J'aime pas déjà de me faire insulter sur des trucs dont j'ai raison et de me faire insulter tout court parce que la personne n'a pas d'argument ou n'a pas autre chose ou quoi. Donc voilà. Bon, sinon, aujourd'hui, on va reparler foot, hein, c'est mieux. Bon, ben, le Pays-Bas a qualifié, premier qualifié. Là, ça va être, je sais plus, c'est qui, Argentine. Et ouais, c'est Argentine ce soir déjà, Australie, Argentine-Australie ce soir. Et voilà, on verra qui rejoindra les Pays-Bas. En espérant que l'Argentine gagne, après on ne sait pas, avec des surprises. Tout peut se passer. C'est toi. Tout peut se passer, donc voilà. Bon, allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao, bon match.